Alors Pardon. bonjour à toutes et tous, je suis ravie et honorée d'avoir l'occasion aujourd'hui de vous présenter ces quelques réflexions issues de ma recherche doctorale en cours. Je suis actuellement en thèse de sciences de l'information et de la communication au laboratoire Helico à l'université Lumière Lyon 2 sous la direction de Julia Bonacorsi et d'Annelise Touboul. Je vais commencer par vous présenter rapidement ma démarche générale et mon cadre de recherche. Avant de m'efforcer de répondre d'apporter plutôt modestement quelques éléments de réponse à deux questions toutes simples. Comment l'urgence environnementale est-elle mise en visibilité sur le web parmi les chrétiens? Et comment sont accueillis et accompagnés le dissensus et les tensions qui peuvent se faire jour dans les productions discursives qui sont partagées sur le web? Un mot d'abord de ma démarche générale. Donc, je travaille sur la médiatisation des sciences sur le web au prisme des relations science-foi. Et j'ai choisi de me focaliser sur les discours numériques portant sur l'environnement parce qu'il me semble présenter un double intérêt dans cette perspective. Le premier, c'est que du fait d'une moindre polarisation que dans les controverses science-foi classiques, les productions discursives environnementales offrent un poste d'observation intéressant sur la médiation des savoirs scientifiques en contexte chrétien, et notamment sur les opérations d'écriture à l'écran qui la soutiennent, donc l'écriture, la réécriture, la redocumentarisation, le commentaire, le partage, etc. Autant d'opérations relevant autant de la poétique que de la logistique qui se trouvent à se déployer de manière plus diversifiée, plus nuancée et plus sereine dans des contextes non controversés. Et cet objet concret qu'est l'environnement m'invite, et c'est la ligne que je m'efforcerai de suivre aujourd'hui, à observer l'élaboration d'une perspective sur le monde à travers une certaine économie des savoirs, en l'occurrence celle instaurée par les discours chrétiens sur l'écologie. Et je place donc au cœur de mon questionnement de recherche la présence des sciences environnementales dans la culture croyante chrétienne contemporaine. Deux thèses majeures vont guider ma réflexion. D'une part, tout dispositif de représentation produit à la fois un effet de présence pour le monde et un effet de sujet pour le regard porté sur le dispositif. Et d'autre part, la visibilité du texte est à la fois témoin et condition de la visibilité sociale, ce qui est particulièrement central en ce qui concerne la communication des chrétiens. Le répertoire sémiotique que mobilise l'environnement en contexte chrétien est dès lors susceptible d'affecter la relation entre les savoirs et les territoires de leur énonciation. Le point focal de ma présentation d'aujourd'hui est la manière dont la mise en visibilité de savoirs environnementaux, relatifs par exemple à l'état des lieux de la crise écologique ou aux modalités possibles des changements à mettre en œuvre, s'opère en contexte chrétien via un mouvement de réflexivité, notamment en matière d'herméneutique biblique, et comment il s'appuie sur des formes culturelles préexistantes qui fournissent le cadre à la fois de la légitimité de ces savoirs environnementaux et de leur intelligibilité par les locuteurs et les interlocuteurs. La transition écologique va alors être décrite comme une conversion, un mouvement intérieur, un premier pas sur un chemin de croissance spirituelle, mais elle peut aussi être perçue comme un égarement, un pas de côté, comme le dos tourné à la vocation véritable d'une vie chrétienne. Dès lors, et c'est le point auquel je viendrai dans un second temps, les tensions qui se font jour dans mes différents corpus, y sont évoquées comme des dissensus de nature spirituelle, y compris quand ces tensions portent sur des aspects pouvant sembler prosaïques de la transition écologique, par exemple les options en matière d'énergie ou la consommation de viande. Cette qualification en question spirituelle déplace le centre de gravité de la production discursive vers la vie d'Église et vers ses formes propres, les prédications, les formes liturgiques ou les productions médiatiques intracommunautaires, comme les podcasts ou les posts de blog destinés à l'édification et à la formation des fidèles. Cette requalification des questions environnementales en questions spirituelles permet aussi de prendre en charge une partie des dissensus en les intégrant dans un effort constant d'actualisation croyante des textes, dont l'histoire est aussi ancienne finalement que celle du christianisme lui-même. Donc bien que procédant d'options axiologiques et politiques bien différentes sur le plan de la transition environnementale, ces dissensus ne seraient dès lors que le reflet d'une diversité spirituelle qui est finalement bienvenue, presque unanimement saluée comme un synonyme de dynamisme et incarnée par des institutions propres à la vie chrétienne, que ce soit des fédérations, des unions d'églises, par des dispositifs délibératifs comme les synodes par exemple, et par des temps forts, par exemple les temps œcuméniques,
qui vont les prendre en charge et en faire quelque chose de positif sur le plan de la communication. Alors, au moment de vous présenter la méthodologie mise en œuvre pour analyser la transition écologique dans les discours numériques chrétiens, il me semble nécessaire de souligner que je ne peux mobiliser aucune notion de représentativité. Déjà parce que, comme je viens de le mentionner, les différents courants du christianisme présentent une diversité de points de vue qui ne permettent pas ici de généraliser, au-delà de ma remarque initiale, que l'environnement y est évoqué comme un défi spirituel et moral, que ce soit un défi au sens positif ou un défi au sens négatif contre lequel il faudrait se défendre. Ensuite, car je travaille sur des agrégats textuels issus du web, où la détermination de ce que serait un corpus complet est, pour ainsi dire, impossible. Si bien que la rigueur ici ne peut reposer, à mon sens, que sur mon effort d'explicitation des modalités de repérage de mes ressources. La démarche dont je présente ici quelques résultats s'articule en trois temps, présentés pour plus de facilité dans un ordre chronologique. Le point de départ, c'est une approche communicationnelle des relations entre science et foi, approche informée par une analyse sémiodiscursive de corpus numérique. Je me suis donc attachée au départ de cette recherche à constituer une collection d'écrits d'écran sur des réseaux sociaux numériques, Facebook, Twitter et la plateforme YouTube. Il s'agissait alors d'opérer un premier repérage de comptes traitant des questions écologiques dans une perspective chrétienne, en observant qui suivait et qui partageait des publications sur le thème de l'écologie émises par des institutions, l'Église catholique de France, la Fédération protestante de France et le Conseil national des évangéliques de France. Cette première collecte a permis de former plusieurs corpus, un corpus de publications sur un groupe Facebook catholique intitulé Laudato si en action, dont je suis membre depuis janvier 2020, adhésion demandée en explicitant ma démarche de recherche. Ce corpus représente environ 1500 postes. J'ai un corpus de publications sur Twitter de titulaires de comptes s'identifiant comme catholiques qui représente environ 7000 postes. Un corpus de publications sur Twitter toujours de titulaires de comptes s'identifiant cette fois comme protestants ou protestants évangéliques d'environ 2000 postes. Et enfin, un corpus d'une vingtaine de publications sur la plateforme YouTube. Il m'a paru dans un second temps nécessaire pour nourrir et stabiliser mon analyse de ces corpus de procéder à des entretiens semi-directifs avec des personnalités issues des mondes catholiques, protestants et évangéliques que j'ai pu identifier au cours de ma collecte comme des acteurs de ces débats environnementaux dans leur milieu d'église respectif. Et enfin, j'ai proposé aux membres du groupe Facebook Laudato si en action, ainsi qu'à certains de mes enquêtés, bon, ceux qui le souhaitaient, de lire mes premières analyses et de m'en donner une appréciation. Dans un geste qui pour moi était à la fois éthique, puisque s'agissant de traces numériques relevant de l'appartenance religieuse, ce sont des données sensibles au regard de la loi, et il me paraissait intéressant de permettre aux personnes d'exercer une réflexivité sur ces données, et épistémologique, puisque s'agissant de traces numériques relatives aux religieux, il y a toujours un risque de mésinterpréter ou surinterpréter ou surinvestir la dimension religieuse des propos qui sont tenus. Alors, je vais maintenant vous présenter rapidement quelques résultats. Le premier résultat que je souhaite partager avec vous, c'est le constat d'une cristallisation de termes propres au milieu d'église pour échanger sur les questions écologiques. C'est un constat qui a émergé à travers les difficultés que j'ai rencontrées lors de ma première collecte sur les réseaux sociaux numériques. Comme le font tous les usagers, j'ai cherché à me repérer dans le foisonnement des publications en les redocumentarisant par le biais de mots-clés. Climat, écologie, environnement ou la formule développement durable. Avec très peu de succès, je dois dire, car ces requêtes ne produisaient que du silence ou alors du bruit. Travailler sur ce silence et ce bruit m'a permis de repérer que les titulaires de comptes publiant sur l'écologie dans une perspective chrétienne le font avec des mots-clés et mots dièses propres à leur milieu d'église. On peut d'abord citer bien sûr l'emploi de création ou environnement, préférentiellement à nature, avec des déclinaisons comme respect de la création, prendre soin de la création, ou encore des expressions allusives à la Bible comme la création souffre, qui est une référence à un extrait d'une lettre de Paul apôtre aux Romains, Romains 8, souvent traduit par toute la création gémit et souffre, donc en Romains 8, 22 pour les biblistes. Les catholiques vont par ailleurs volontiers utiliser les expressions Laudato si, loué sois-tu, en référence à l'encyclique publiée en 2015 par l'actuel pape, encyclique qui a achevé d'inscrire l'environnement à l'agenda catholique. Laudato si va être utilisée préférentiellement à développement durable.
On a la formule conversion écologique, également utilisée dans l'encyclique de 2015, qui sera mobilisée comme synonyme de transition écologique. Et on a également la récurrence de l'invitation à l'émerveillement devant une nature à préserver. Émerveillement, un terme qui, dans le contexte chrétien, désigne la capacité à reconnaître les bienfaits de Dieu et à en éprouver de la gratitude, et qui est souvent mobilisé comme point de départ d'une méditation spirituelle, par exemple. Et dans le contexte de ma focale sur les sciences, j'ai pu observer que les sciences sont ainsi régulièrement convoquées pour leur capacité à susciter l'émerveillement. Ce qui est d'ailleurs assez proche des techniques discursives de la médiation des sciences et de la vulgarisation scientifique. Du côté des protestants réformés, l'appui se fera plutôt sur les œuvres sociales, l'engagement dans le monde étant l'un des socles de la vie sociale protestante. Les termes préférentiellement utilisés comme mot dièse et mot-clé seront par exemple climat, justice climatique, ou des termes suggérant l'action comme la conservation, la préservation, la lutte, lutte pour le climat, les chrétiens pour le climat, voilà, des termes qui évoquent l'engagement militant. Et du côté des protestants évangéliques, je n'ai pas encore identifié de mot dièse spécifique. Alors, on va le voir avec l'exemple de Laudato si, sur lequel je vais faire maintenant un petit zoom. Ces formules remplissent une double fonction d'acculturation aux questions scientifiques et de neutralisation de la conflictualité, comme l'avait déjà souligné Alice Crick-Planck avec la formule développement durable. Opérateur de l'acculturation aux questions scientifiques d'abord. Pour Laudato si, on rencontre de nombreuses occurrences de cette expression comme adjectif substantivé. Par exemple, on va parler d'un mariage Laudato si, d'une colloque Laudato si, pour une signification équivalente à celui des adjectifs verts ou durables en contexte non catholique. C'est donc une expression qui va apparaître comme une bannière, presque comme un label. Le mouvement catholique mondial comme le climat, qui est un regroupement d'associations internationales, a par exemple pris le nom de mouvement Laudato si en juillet 2021. Et à ce titre, c'est en quelque sorte le produit de l'assimilation de l'écologie dans la vie catholique et son signe le plus évident. Le groupe Facebook dont j'ai suivi les échanges pendant plus d'un an s'appelle ainsi Laudato si en action. C'est un groupe qui m'a été signalé par plusieurs titulaires de comptes avec lesquels j'étais en relation sur la plateforme Facebook et à qui j'avais indiqué mener une recherche sur l'écologie chrétienne. Le groupe étant fermé, il m'a été nécessaire de demander l'adhésion en remplissant un formulaire comportant trois questions. Comment décririez-vous l'impact de Laudato si dans votre vie? Qu'attendez-vous de ce groupe? Vous engagez-vous à respecter les règles du groupe, en particulier à ne pas publier le dimanche? L'observance d'une sobriété numérique le dimanche étant un point commun à de nombreux groupes Facebook catholiques. Alors, pour des raisons, comme je le mentionnais, épistémiques autant qu'éthiques, j'ai fait le choix de demander l'inscription en tant que chercheur, en explicitant ma position d'observatrice et en précisant que je ne suis pas catholique. Les intentions du groupe et les moyens qu'il se donne pour les réaliser sont explicités dans une section à propos qui esquisse un cadrage à la fois thématique et religieux. Ce cadrage concerne les valeurs présidant aux échanges, les sujets abordés et les modalités selon lesquelles ils seront. Donc les modérateurs et les administrateurs du groupe ont utilisé une fonction proposée par Facebook qui est de créer comment dire? Ah, le terme m'échappe. Le terme qui a été retenu par les membres du groupe Laudato si, c'est le terme de charte, préférentiellement à des règles d'usage, à un règlement intérieur en quelque sorte. Et ils se définissent ainsi. Nous sommes un groupe catholique de réflexion, d'échange et de conseils pratiques pour mettre en œuvre dans notre vie l'encyclique du pape Laudato si. Notre but est de nous aider à grandir dans la foi, l'espérance et la charité au travers de l'écologie chrétienne. Afin de rester dans un esprit de convivialité et de gratuité, nous vous demandons de respecter ces quelques règles. Donc, suivre un ensemble de règles de nature à réguler la production éditoriale. Toutes les publications doivent être approuvées par un administrateur. Le recours au mot dièse pour retrouver plus facilement les postes. Avant de publier une nouvelle question, nous vous invitons à utiliser le moteur de recherche, etc. Et la dernière règle étant, nous vous demandons de ne pas publier le dimanche afin de le consacrer pleinement au repos en famille et à la prière. À partir de ce cadrage, tous les contenus amenés sur le groupe dans une démarche d'intelligence collective de type wiki le seront dans le but d'être mieux à même de mener une vie ajustée avec les exigences de l'encyclique.
Elles sont également amenées en lien avec le calendrier liturgique. Ainsi, les temps du carême et de l'Avent, qui sont des comptes à rebours respectivement vers Pâques et vers Noël, seront l'occasion d'égrener chaque jour des bonnes pratiques environnementales accompagnées de courtes prières ou de méditations. Mais Laudato aussi, donc si c'est une manière finalement de cadrer l'acculturation aux questions environnementales dans le but de gagner en vertu spirituelle et en efficacité dans sa mise en œuvre de l'encyclique papale, Laudato aussi est également, comme pour la formule développement durable décrite par Crick Planck, un puissant opérateur de neutralisation de la conflictualité. Mes entretiens avec les administrateurs du groupe ont ainsi fait ressortir qu'ils n'avaient pas du tout la même vision de l'utilité du groupe lors de sa mise en place, qu'ils ne sont pas également satisfaits de l'orientation qu'il a prise, et les discussions que j'ai pu avoir avec des membres du groupe quand j'ai proposé une lecture de mes premières analyses a confirmé ce premier constat. Ainsi, le membre créateur du groupe, qui est un laïc consacré chez les franciscains, déplore-t-il la part trop importante, selon lui, accordée aux sujets relevant de la domesticité ou de la vie quotidienne par rapport aux discussions spirituelles et théologiques qui sont pour lui centrales? Une autre administratrice va regretter la tiédeur, je cite, des prises de position face à l'urgence environnementale qu'elle considère superficielle et, je cite encore, de confort moral. Les deux autres qui se sont intéressés à l'écologie à partir de l'apparition de l'encyclique, donc depuis 2015, estiment au contraire que le groupe offre une occasion de construire des savoirs et savoir-faire utiles et qu'il atteint donc ses objectifs. Ces dissensus sont invisibles sur le groupe, car le sens de Laudato si, formule qui est pourtant utilisée constamment, n'est jamais discuté en tant que tel. Et un autre point qui mérite selon moi d'être relevé, c'est l'usage très parcimonieux de la formule écologie intégrale, qui synthétise pourtant la vision du pape sur le sujet, vision résumée par la formule tout est lié, qui a d'ailleurs été reprise dans une version laïcisée par Delphine Batho pour Génération Écologie. En contexte catholique, l'écologie intégrale fait davantage signe vers les controverses liées aux modèles familiaux, à la PMA ou aux questions de bioéthique, par exemple. Et si le pape lie explicitement ces questions au respect de l'environnement, les usagers du groupe semblent éviter de le faire pour se concentrer sur les pratiques quotidiennes, davantage que sur les aspects politiques de l'écologie telle que le pape la conçoit. Une autre manière de gérer le dissensus qui est mis en œuvre par les chrétiens, cette fois-ci plus largement au-delà des cercles catholiques, c'est l'utilisation d'un label qui s'appelle le label Église verte et qui là aussi semble avoir pour vocation, pas forcément volontaire hein, d'ailleurs, de canaliser les dissensus par l'action dans une dimension œcuménique, avec une réunion des catholiques, des différents courants du protestantisme et des orthodoxes, donc qui va permettre de rassembler des églises assez différentes, tant dans la lettre que dans l'esprit, tout en communiquant auprès des non-croyants sur l'utilité sociale des cultes et sur leur rapport à la question environnementale, notamment par leur capacité à mobiliser, par leur morale, par la poursuite d'une certaine sobriété comme idéal de vie chrétienne, etc. Le label s'obtient au terme d'une démarche de certification pour laquelle il est possible d'être accompagné par un référent de proximité. Et le site du label met à disposition un ensemble de fiches thématiques, alors certaines très concrètes, le bâti, les terrains, l'engagement local et global, et d'autres spirituelles comme célébration et catéchèse. La fiche Comment démarrer, que l'on peut télécharger sur la première page du site, souligne en effet que c'est dans la célébration, messe ou culte, que va être mis en place le mode de communication le plus simple et le plus efficace pour sensibiliser les membres d'une église à la nécessité de s'engager dans une transition écologique. La fiche célébration mentionne ainsi: la conversion écologique concerne autant nos modes de vie que nos expressions spirituelles. Il est important de pouvoir faire présente la création dans nos célébrations, autant à travers des références symboliques qu'à travers les paroles de prière, de chants et des commentaires. Et un peu plus loin, célébrer la création, prier pour sa sauvegarde, c'est se donner au moins un rendez-vous annuel ou placer notre rapport à la création au centre de notre vie communautaire et de nos célébrations. Des textes bibliques sont identifiés pour nourrir la réflexion. Par exemple, des textes issus de l'Ancien Testament comme Genèse, Isaïe, les Psaumes, des textes issus du Nouveau Testament comme Matthieu, apprendre à faire confiance à Dieu comme la nature, etc.
Et j'en terminerai ici, en fait, hein, par la lecture, cette lecture de la Bible qui est source de toute vie chrétienne. Donc, mon point final est en fait un point de départ pour de nombreux chrétiens. Si mes entretiens avec les catholiques et les protestants réformés avaient pour but de m'aider à mieux analyser leur abondante production discursive, ceux avec des évangéliques que je menais par la suite étaient plutôt destinés à m'éclairer sur leur silence. Et c'est à travers ces entretiens-là que j'ai abordé le point qui pour moi est central, c'est-à-dire l'aspect de retour sur sa propre tradition, pardon, l'aspect de réflexivité sur sa propre lecture du texte sacré, qui est en général une conséquence de la sensibilisation des chrétiens aux questions écologiques. Mes hypothèses de départ étaient directement issues de la littérature, en lien donc avec mon sujet sur les rapports science et foi. Est-ce que silence était dû à une attitude de méfiance vis-à-vis des sciences, à un certain conservatisme politique, qui sont des hypothèses suggérées notamment par la sociologie des sciences? Alors peut-être, mais pas seulement, en l'occurrence, dans la mesure où, pour moi, il relève d'abord du lien avec le rapport au texte biblique. Certains évangéliques parmi les plus conservateurs, comme d'ailleurs certains catholiques parmi les plus conservateurs, vont privilégier une lecture vraiment littéraliste de la Bible avec une vision du salut et de la foi centrée sur la confiance en Dieu, avec l'expression Dieu pourvoira notamment, avec une compréhension eschatologique relativement littérale. Par exemple, l'expression biblique nouvelle terre, nouvelle cieux nouvelle terre, pardon, nouveaux cieux va être compris au sens premier. À la fin des temps, nous ne serons plus sur cette terre-là. Ce qui peut avoir pour effet de déresponsabiliser hein, d'une certaine manière sur le futur de la planète. Et puis surtout, ce qui me semble central, une certaine réticence à développer une étude critique du texte et à renouveler les traductions, par exemple. Le renouvellement des traductions de Genèse, notamment, est vraiment au cœur de la théologie. De l'écologie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui avec voilà la fameuse expression tu domineras la création pour laquelle on a beaucoup reproché aux chrétiens d'être à l'origine de la crise écologique fait l'objet de nombreuses exégèses et d'un renouvellement actuel. Donc finalement, il y a assez peu d'appui théologique pour eux à la conversion écologique. Et de plus, il y a une certaine réticence, là aussi fondée sur leur lecture de la Bible, à s'engager dans le monde. Donc on va considérer que l'écologie, c'est un effet de mode, voire c'est une diversion de ce qui serait vraiment important, donc l'évangélisation, le salut de l'âme. Là où au contraire, certains catholiques, représentés par la Conférence des Églises de France notamment, ou par le Centre de Sèvres qui forme les futurs jeunes prêtres, et où les protestants de tradition plus libérale vont être engagés dans une relecture à nouveaux frais de leur tradition scripturale, et qui va se traduire par une importante production discursive, des lectures bibliques, des formations bibliques, des guides de lecture écologique de la Bible. Des formations en ligne à destination des futurs pasteurs, la mise en ligne de prédications sur le thème de l'écologie, enfin voilà, une importante production discursive visant finalement à se former théologiquement sur les questions écologiques. C'est donc, ça sera pour moi un mot de conclusion, dans leur propre rapport au texte sacré que les chrétiens avec lesquels j'ai échangé puisent la matière de leur transition écologique personnelle et collective. Donc la relation à l'autorité, le rapport au texte me semble les déterminants les plus importants de leur attitude vis-à-vis de l'urgence environnementale. Et c'est dans cette tradition de discussion et d'exégèse que va se nouer l'essentiel du dissensus et de la tension autour de la transition écologique. Et enfin, j'ai noté qu'une nouvelle génération, aussi bien chez les catholiques que les évangéliques, puise l'élan pour une vie d'Église renouvelée. Donc j'imagine que c'est amené à beaucoup changer dans les temps qui viennent avec l'arrivée d'une nouvelle génération de pasteurs dans les églises évangéliques notamment. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette belle présentation. J'ai vraiment apprécié la pertinence hein, de votre travail sur ces différentes traditions, parce qu'au fond, c'est des mondes effectivement assez variés. Donc voilà, je pense que c'est le moment pour quelques questions. Oui, c'est plus en tout cas pour discuter un peu. Voilà, Catherine Gauthier est d'accord avec moi. Merci.
Oui, et voilà, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Il y a ce point central là, des critiques qui avaient été adressées par un chercheur dont j'ai oublié le nom aux années C'est 60. Lynn White en Lynn White, 1967, voilà. en Ça, c'est peut-être 1967, oui. intéressant de les dire pour les autres, parce que moi, j'avais écouté des conférences aussi, par exemple, de Fabien Révol, qui est un Oui. théologien de Lyon, qui Oui. fait partie de la réflexion théologique catholique sur l'écologie depuis une dizaine d'années en fait, mais en tout cas, et donc Lynn White avait accusé le christianisme en général de faire partie d'une histoire de construction de l'attitude humaine d'extractiviste, un peu de domination justement, et donc il suggérait Lynn White de faire appel à Saint François, donc à la spiritualité par exemple franciscaine, et donc de trouver dans le christianisme des sources qui permettent de dépasser cette attitude de domination et d'exploitation. Et donc, c'est un peu ce que certains papes ont fait, notamment le pape François dernièrement avec l'encyclique Laudato Si, justement, il avait pris lui-même le nom de Saint François. Et il y a donc cette récupération et cette lecture, comme vous dites, donc dans la Genèse, il y a deux histoires de la création, hein. Dans l'une, on dit que l'humain est invité à dominer la terre. Dans l'autre, on dit plutôt, là je me rappelle pas les mots, qu'il invitait plutôt à être une sorte de jardinier Oui. et cultiver la terre. Et donc effectivement, dans l'exégèse, en tout cas catholique, etc., évidemment, on joue sur cette coprésence pour renouveler un peu et pour fonder aussi ces démarches écologiques. Je pense qu'il y a une question. Alors, merci beaucoup. La première pour cette présentation très intéressante. Première question, existe-t-il des recherches similaires sur les autres religions? Et si oui, que disent-elles de similaires ou différents? Ouf, là, on n'a Oui. pas toute la semaine, hein, mais en tout cas, je ne sais pas si ça peut réagir à. Alors, très honnêtement, je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur l'islam ou sur le judaïsme, par exemple, puisque le monde chrétien est déjà tellement, tellement vaste que voilà, ça dépasse malheureusement le cadre de ma culture personnelle. Après, je voulais rebondir peut-être sur ce que disait Monsieur Catalani sur la critique faite au monothéisme d'une manière générale, hein, pas plus largement que le christianisme, d'être un peu à la source de l'exploitation, de l'occupation du monde, pour reprendre une expression de Sylvain Piron. Il y a tout un courant actuellement d'historiens, notamment, qui re-questionnent à nouveau frais l'histoire du capitalisme. Et qui l'ancre dans la tradition scolastique, voilà, médiévale, pour ce qui concerne le catholicisme, mais on peut aussi, j'imagine, faire des ponts avec Averroès notamment, enfin voilà, avec ces questions-là. Et c'est en ça que je pense que pour les cultes, c'est aussi un enjeu politique assez fort que de se dégager de ces critiques. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu le pape François pour que les catholiques y répondent vraiment. Et Ellen White n'est pas citée, hein, dans l'encyclique Laudato Si, alors que manifestement, tout le chapitre théologie lui est adressé. Mais voilà, c'est un enjeu très fort pour les cultes, de respectabilité en quelque sorte, hein, de se dégager de cette accusation-là, en valorisant ce qui, dans leur tradition, pourrait plutôt susciter les engagements, contraires. Merci. Alors, Claudine Drian qui dit, peut-on faire le lien avec la théologie de la libération, qui est donc une théologie développée en Amérique latine notamment? Alors, il me semble que le pape l'a fait lui-même, puisqu'il est, bon, lui-même de tradition latino-américaine, il est profondément marqué, hein, par notamment les luttes paysannes des paysans indigènes en Amérique latine. C'est d'ailleurs un reproche qu'on lui fait beaucoup dans les milieux conservateurs catholiques. Il serait responsable d'une certaine paganisation de la pensée catholique. Et effectivement, il a écrit une deuxième encyclique d'approfondissement de la première qui s'appelle Tous frères, dans laquelle il développe cette idée-là qu'en fait, effectivement, on ne peut pas penser une théologie de la création sans penser une théologie. Finalement, de la justice sociale, du soin apporté, de la lutte contre la pauvreté, du soin apporté aux plus vulnérables. Donc, effectivement, il me semble qu'il y a un lien qui est très fort, qui est effectivement opéré par ce pape, c'est ce qui était peut-être moins le cas auparavant. Alors voilà, on ne pourra pas continuer très longtemps, donc il y aura certainement des échanges à faire après. En tout cas, voilà, il y a une question personnelle. Je voulais savoir, donc,
Vous gérez comme vous voulez. Je voulais savoir comment était né l'intérêt pour cette recherche. Voilà, vous réagissez comme vous voulez. Hein, Alors, en fait, elle est née de ma pratique professionnelle antérieure à mon projet de doctorat. Moi, je suis journaliste et je me suis spécialisée il y a quelques années dans l'actualité scientifique et j'ai fait pas mal de médiation des sciences. Et en fait, j'ai vite été frappée par le lieu commun, au sens propre hein, du terme, de l'incompatibilité de la foi et des sciences. Avec, voilà, on a un ministère hein, de l'éducation, enfin, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui a édité une feuille de route dans laquelle il dit explicitement que le but de la médiation des sciences est de lutter contre les croyances. Et alors, c'est peut-être par esprit de contradiction, mais bon, vu que tout le monde avait l'air d'accord là-dessus, moi, ça... je me suis dit que ça méritait quelques petites investigations. Et voilà, et après, le choix de me focaliser sur l'environnement s'est construit, comme je vous le disais, progressivement par le souhait de me dégager en fait des controverses qui sont plus ou moins écrites d'avance pour aller plutôt regarder comment les croyants s'approprient la culture des sciences quand il n'y a pas d'enjeu identitaire en œuvre, quoi, pour le dire un peu vite. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, voilà, toute dernière question, désolé, mais c'est celle de Catherine Gauthier de Grenoble. Donc, ces réflexions, vous la lisez, hein, les amènent-ils à s'engager sous les élections locales à côté des écologistes? Voilà. Alors, oui, effectivement. C'est effectivement le cas. Et on peut signaler notamment une initiative qui s'appelle les Altercato. Et qui est, pour moi, ce qui serait le plus perméable à un engagement politique à gauche. Et il y a deux lieux un peu emblématiques des altercatos. Il y en a un à Paris qui s'appelle le Café Dorothy, et à Lyon, c'est le Café Simone, et qui organise voilà, énormément de rencontres autour de l'environnement et de l'engagement en faveur d'une justice sociale. Donc, c'est un peu les nouveaux catos de gauche. C'est une génération qui a entre 30 et 40 ans et qui défend un engagement politique, pas nécessairement partisan, mais en tout cas résolument politique. Parfait. Voilà, merci beaucoup. Évidemment, il y a des enjeux français, notamment. C'est très intéressant, évidemment, pour les collègues français qui sont là de toucher à ces points, notamment le point des croyances. Là, c'est vraiment intéressant. Voilà, merci beaucoup.